Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Je fais que ça, mais promis. Normalement, ça devrait arrêter parce que je pense arrêter de prendre des box parce que j'en prends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, j'étais trop, trop, trop contente de vous filmer cette vidéo. J'étais très impatiente puisque j'ai commandé la box hors demande de Ben HPTS. Elle est arrivée aujourd'hui, on est le 19 mars. Voilà, le troisième confinement commence ce soir. Du coup, bonne nouvelle, j'ai la box qui est arrivée dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Donc je suis très 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 contente. Je m'attendais absolument pas à la recevoir aujourd'hui. Parce que j'avais compris qu'elle partait après le 20 mars. Donc, le 20 mars c'est demain. Donc je suis très contente de l'avoir enfin reçue. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on a un petit mot qui nous dit « Salut les sorciers et les moldus aussi. Première box de l'année 2021. J'espère que cette nouvelle sélection de produits apportera sa dose de magie. Merci une nouvelle fois pour votre confiance et pour avoir fait de mon rêve de créer une box Harry Potter une réalité. Je vous donne rendez-vous très vite le 3 avril prochain pour la box sur demande numéro 7. Prenez soin de vous et bon déballage. » Voilà, le petit mot, trop mignon. Et donc là, on va pouvoir ouvrir ça et chouette. Oh, il y a plein de cadeaux. Premier truc qui me vient, c'est une première pochette. J'aime bien, donc il a fait des stickers. La box sur demande, je trouve ça trop mignon. Y a plein de choses. Un petit ticket pour savoir si on a gagné ou pas. Et là, c'est plein d'illustrations. Oh, je suis trop contente. Parce que du coup, en fait, j'ai un peu oublié tout ce qu'il y avait dedans. Pour justement éviter de me faire spoiler, j'ai pas trop regardé tout ce qu'il y avait dedans. Donc, il y a plein d'illustrations. Et je crois que c'est toutes ces photos des studios Harry Potter. C'est vrai que je me rappelle que je crois qu'il en avait parlé. Bien. Des petites photos dédicacées. C'est trop bien. Donc là, un super marque-page de Buck. Donc derrière, c'est la même chose. Et une giga illustration de Baudelaire sous la neige. Et elle est trop trop belle. Et même au toucher, elle est un peu différente. Ah, je suis trop contente. Parce que du coup, j'ai tout un pan de mon mur qui est juste là, où j'ai plein d'illustrations. C'est ça. Donc c'est un... Je lis pas en anglais. The Wand Chose the Wizard. D'Ollivanders. Donc c'est une baguette. C'est une petite baguette. La boîte est super belle. Là, on peut même mettre son prénom. C'est trop cool. Et là, regardez ça. Regardez. C'est super. La boîte est magnifique. Ok. Je casse.
C'est la baguette de... C'est pas la baguette de Dumbledore, je crois. Je crois que c'est la sienne. Ah bah tout se barre. Mais en tout cas, c'est magnifique. Donc ça donne ça. C'est super beau. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a ça. Donc je sais pas du tout s'il y avait un ordre ou pas de déballage, mais je prends vraiment tout ce qui vient. J'adore. Ça fait une petite fiole, c'est une petite bougie. Ça sent trop bon. Ça sent la noix de coco. Oh, j'aime bien. Je vais l'allumer tout à l'heure. Une petite trousse de farce pour sorcier facétieux, donc de la boutique des jumeaux Weasley. C'est une trousse toute simple, mais qui vient de la boutique des Weasley. Je suis trop contente! Parce que du coup, les Weasley, enfin les jumeaux, surtout George, c'est mon personnage préféré. Et toute la saga, je suis trop contente. Donc là, on a des stylos et des crayons. Donc on a une petite trousse. Voilà, bien. Une petite gomme de Baudelaire. Une petite règle de Baudelaire. Pareil, on peut mettre son nom là-dessus. Trop bien. C'est vraiment le kit pour aller à l'école. On a le petit taille-crayon Harry Potter. Le stylo. Pas dans quel sens ça se met, c'est comme ça. Et le crayon, voilà, avec écrit Hogwarts dessus. Ça aurait été trop bien si j'étais encore à l'école. Et ça fait un moment que j'ai fini l'école, donc c'est dommage. Sinon, j'aurais bien pris ce truc-là pour aller à l'école. J'aurais pris ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour finir, un carnet Harry Potter, sinon c'est pas drôle. J'aime beaucoup, pareil, on peut remettre son nom là. Puis à l'intérieur, c'est ligné, puis un petit motif. C'est trop bien. J'en ai plein des carnets Harry Potter, mais on n'a jamais assez. C'est trop, trop, trop bien. Et voilà! C'est fini. Je suis trop contente. C'est bien, il y avait plein de choses. Je suis très contente. J'ai tout rangé. C'était la première fois que je prenais une box de l'une des box de Ben. Et je vous avoue que je suis très contente. Parce qu'il y a pas mal de petits trucs Harry Potter. Je suis très 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 contente de tout ce qu'il y a. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de moi. Voilà, si ça vous intéresse. À me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, Instagram et sur TikTok. Et d'aller voir mon blog où il y a toutes mes chroniques de livres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.